Salut à tous, c'est AppleFan. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau boîtier 4G+ que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je l'ai acheté chez Bouygues Telecom et c'est un boîtier Huawei. On se retrouve tout de suite pour le déballage. Dans le carton, nous allons retrouver le boîtier 4G ainsi qu'une batterie de 1780 mAh. Ensuite, nous allons retrouver un chargeur ainsi qu'un adaptateur secteur puis un guide de démarrage rapide. Ce boîtier pourra supporter la 4G, la H+, ainsi que la 3G et la 2G. Ce boîtier pourra supporter jusqu'à 150 Mbps en téléchargement et 50 Mbps en envoi. Ceci conviendra parfaitement aux personnes qui souhaitent streamer en haute définition ou alors aux personnes qui souhaitent upload rapidement leurs vidéos sur YouTube. De plus, vous pourrez connecter jusqu'à 10 appareils en simultané. Et tout cela avec une autonomie de 6 heures en fonctionnement et jusqu'à 300 heures en veille. Mais ce n'est pas tout, ce boîtier pourra aussi se transformer en routeur de poche, c'est-à-dire que vous pourrez répéter le Wi-Fi d'un aéroport par exemple sur votre appareil. Vous pouvez voir ici le débit consommé et ici le nombre d'appareils connectés. Il faudra bien entendu souscrire un abonnement 4G chez un opérateur pour profiter du débit. Vous pourrez retrouver ce boîtier au prix de 79,99€ chez Bouygues Telecom et ailleurs pour 40€ de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Twitter, Google+, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!